Bien sûr que les Africains sont de même genre. Nous sommes des frères et des sœurs. Mais chacun a sa part de territoire. Et les territoires-là sont souverains. Ça veut dire, les pays sont souverains. Chaque pays est souverain. Mais dites-vous, les Camerounais maudits, là, avec votre type qui se dit trop, qu'il est trop panafricain, là, ou bien c'est Banda Kandy, ou bien c'est quoi Kandy, là. Il dit, cela, il ne peut pas, il ne voit pas les problèmes qui sont au Cameroun. Il est quel genre de panafricain? Un pauvre Banda Kandy, c'est à toi que je m'adresse. Tu es fou. Tu passes tout ton temps à fuir ton nez partout, tu fuis ton nez partout. Tu es un cochon. Tu es un cochon. Tu fuis ton nez partout, on dirait un cochon. Tu ne vois pas les problèmes qui se passent dans ton pays. Il n'a pas les problèmes au Cameroun. Même si tu as bu la bière, tu n'as pas quand même versé ça dans tes yeux pour ne pas avoir tes problèmes. Comme mon mentor, Go Michel, disait que même si tu as bu la bière, tu n'as pas versé dans tes yeux. Hein, Banzakandi? Même si tu bois la bière, tu ne verses pas quand même dans tes yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans ton propre pays. Toi, tu es un panafricain. Tu es un vrai panafricain. Tu connais ce que ça veut dire être panafricanisme? Tu connais ce que ça veut dire être panafricanisme? Si tu veux être, si tu veux vraiment être un vrai panafricain là, tu dénonces ce qui se passe dans ton pays. Si tu as peur du vieux là, tu quittes le Cameroun. Tu quittes le Cameroun, tu quittes le coin. Tu pars dans les autres pays d'où tu pourras t'exprimer librement. Pas au Mali ou bien au Burkina. Tu pourras dénoncer. Ces sous-préfets là, tu pourras les dénoncer. Comme tu as peur du pater là, tu passes ton temps à dénoncer que Ouattara. Ouattara t'a fait quoi? Même si on dit que Ouattara n'est pas panafricain, Ouattara est monté, Ouattara est descendu, mais au moins il arrive à réaliser des choses dans son pays. C'est ça qui est d'abord important. On dit que oh, on va le soutenir à cause des routes, à cause des ponts. Au moins les ponts là, depuis que vous avez entendu combien de gens qui meurent sur l'autoroute comme ils meurent chaque jour au Cameroun. Vous avez entendu ça en Côte d'Ivoire. Si Cabral Namdi était ivoirien, peut-être devait encore être en vie. Si Cabral Namdi était encore ivoirien, peut-être devait être encore en vie. Combien de Français bracatala sont morts sur votre connerie que vous appelez les autobahns là? Que même ici en Allemagne, même votre truc que vous appelez les autobahns là, même ici en Allemagne, même les routes de vélo dépassent. Même d'où les vélos passent. Ça dépasse votre connerie. Et les autres, ils partent même jusqu'à appeler ça l'axe long. Vous connaissez même ce que ça veut dire un axe long. Ils appellent ça des axes longs. Dans des gros noms. Pour des conneries que même dans les autres pays. N'en parlons même pas. Même votre pays voisin. Guinée équatoriale. Les routes qui sont là-bas. Vous pouvez comparer ça aux conneries là. Lui aussi, le président a aussi dit au pouvoir, au moins, il est arrivé à réaliser certaines choses. Certaines choses. Toi, tu es panafricain, tu connais ce que ça veut dire être panafricaniste. Maudit comme ça. Arrête de fuir ton nez partout. Fuis ton nez dans ton propre pays. Et tu dénonces ce qui se passe dans ton pays. C'est ça veut dire un vrai panafricain. Tu ne peux pas rester chez toi, il y a des autres. C'est la maison des autres que tu vois. Tu es chez toi, il y a le désordre, tout genre de choses. Tu te dis un bon père. Mais ce qui se passe dans ta maison, tu ne vois pas. C'est la maison de ton voisin que tu vois. Ce n'est même pas ton voisin. Il n'est même pas ton voisin. C'est la maison de quelqu'un qui est près de combien de kilomètres, de milliers de kilomètres. C'est ce problème que tu vois. Mais ce qui est chez toi, là, tu ne vois pas. Même si tu as bu la bière, au moins tu n'as pas versé ça dans tes yeux. Pour ne pas voir ce qui se passe chez toi. Tu es panafricaine. Il y a une guerre qui se passe là-bas, dans ton propre pays. Tu ne oses même pas te prononcer. À l'époque, c'est toi qui disais qu'on doit même les éliminer. Tu n'as même pas honte. Tu soutiens qu'on tue tes propres frères africains et tu dis que tu es panafricaine. Arrête, tu es panafricaine de mendiants, ouais. Tu es panafricaine mendiant. Un imposteur. Va là-bas.